Bonjour ma pucette. Bonjour, maman. Ça va bien? Oui, ça va. Tu m'as manqué aujourd'hui. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Tu fais quoi? Je joue. Ah, ben oui. Tu joues à tout ça, les cartes, oui, le nounours, tout. Et j'ai mon maracas aussi. Ok, c'est bien. T'es bien amusée? Oui, très bien. Ok, maintenant on va peut-être ranger les jouets? Non, maman, non. Chiki, non, s'il te plaît. Non, viens, on les range ensemble. Non, je veux pas, maman. Chiki. Je veux faire des dessins animés. Chiki. Seigneur. Chéki? Chéki? Oui, maman. Ça va, ma puce? Oui, ça va. Tu as bien regardé les dessins animés? Oui, j'ai bien. Tu es contente maintenant? Ok, on peut aller travailler, c'est l'heure de travailler. Non, non maman, pas encore. C'est Shekina. Shekina, j'ai dit, c'est non, le travail maintenant. Pas. Ça suffit, Shekina, tu te lèves et tu obéis maintenant. Tu dois obéir. Allez, on se lève, on va travailler. Allez, lève-toi. On ne boude pas, Shekina. Ok? On ne boude pas. Bon, tu sais quoi? Pour te faire plaisir, on va faire une petite activité ensemble d'abord. D'accord, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'accord. Mais après, on travaille. D'accord. Ok, on y va. Bonjour les enfants. Bon dimanche. Aujourd'hui, je suis avec ma fille Shekina. Shekina, dit bonjour. Bonjour les amis. Alors, on va commencer le culte aujourd'hui et on va faire d'abord la prière. Donc, on ferme les yeux et on va dire merci à Jésus pour le culte d'aujourd'hui. On prie ensemble. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce dimanche que tu nous donnes. Merci parce que tu permets qu'on puisse faire le culte ensemble et que malgré le confinement, on ait l'occasion de faire le culte. Merci Seigneur Jésus parce qu'aujourd'hui tu vas nous parler et que ton Saint-Esprit est là pour nous instruire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen, amen. Alors, on va commencer en chantant. On va se lever et on va chanter. C'est qui, tu es prête à chanter avec oui, maman? Oui, maman, je suis prête. D'accord. Allez, on se lève pour chanter. Jésus m'aime, 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 alléluia, oh, 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 Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime, 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 alléluia, oh, Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime. Vous savez, Jésus a dit dans la Bible, laissez venir à moi les petits enfants. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les tout petits enfants. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les tout petits enfants. Si tu es petit, petit, très, très, très petit, petit, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Si tu es grand, grand, très, très, très grand, grand, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les tout petits enfants. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les tout petits enfants. Si tu es petit, petit, très, très, très petit, petit, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Si tu es grand, grand, très, très, très grand, grand, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Alléluia! Amen. Quelle que soit ta taille, si tu es grand, comme Shekina. Si tu es petit comme ça, le Seigneur t'aime et il veut que tu viennes à l'église pour célébrer avec lui. Alléluia! Amen!
Amen. Alors, quand on vient dans la maison du Seigneur, quand on vient assister au culte, on est comment? On est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, 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 mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Alléluia! Oh, si tu es dans la joie, saute comme tata. C'est qui saute? Allez, alléluia! On fait comme ça. Jésus! On dit Jésus! Alléluia! Alléluia! Waouh, nous avons chanté, loué le Seigneur. Et maintenant, nous allons prier Dieu. Amen. C'est qui? Tu veux prier avec nous? Alors, on va prier Dieu. On va lui dire merci parce qu'il est notre Créateur. Amen. Amen. On prie ensemble. Vous fermez les yeux, hein? Et on prie. Chez qui tu fermes les yeux aussi, hein? Fermez très fort. Voilà. Et on prie. Oh, merci, mon Dieu. Tu es mon Créateur. Et tu m'as bien créé. Tu m'as fait jolie. Tu m'as fait avec mes deux mains. Et je peux t'acclamer avec mes mains. Tu m'as fait avec mes deux pieds, mes oreilles, les deux yeux pour voir tes merveilles. Oh, merci Seigneur Jésus, tu m'as donné une bouche pour te louer et pour t'adorer. Tu es merveilleux et plein d'amour. Et moi aussi, je t'aime mon Elohim. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Et maintenant, nous allons passer aux offrandes. C'est l'heure des offrandes. Chez qui est-ce que tu as ton offrande? On prend l'offrande et on fait comme ça, la main. Voilà, on va prier pour l'offrande. On ferme les yeux, on tient son offrande comme ça, comme chez qui? Chez qui tu montres, voilà. Et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu nous as donnée d'avoir ces offrandes. Bénis les poches de papa et de maman, afin qu'ils puissent toujours nous donner l'offrande et que nous te donnions avec joie. Au nom de Jésus, amen. Alors, aujourd'hui, Tata Grâce a pris son panier. Papa et maman, j'espère que vous avez placé le panier pour que les enfants puissent faire les offrandes. OK? Et on va chanter ensemble pour nos offrandes. Avant, et pendant qu'on chante, on fait les offrandes aussi. 1, 2, 3. Je donne avec joie, je donne au Seigneur. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Encore, je donne avec joie, je donne au Seigneur. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Amen. 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 J'espère que vous avez mis vos offrandes dans le panier. Et maintenant qu'on a fini les offrandes, c'est l'heure d'écouter ce que Jésus a à nous dire aujourd'hui. D'accord. N'est-ce pas, Chéki? Oui, maman. Et maintenant, quand on doit écouter la parole de Jésus, on reste sage, on s'assied gentiment, et on reste sage et on écoute Tata Grâce parler de ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Amen. Amen. Allez, Chéki, on s'assied. Notre leçon d'aujourd'hui, on va commencer en lisant un passage de la Bible. Chez qui tu sais que la Bible, c'est dedans que Dieu écrit toutes les histoires, tout ce dont il veut nous parler. D'accord. Alors, on va lire dans la Bible, il y a plusieurs livres. Aujourd'hui, on va lire dans le livre de Éphésiens, au chapitre 6, les versets 1, 2 et 3. Écoutez bien sagement, Tata va lire pour vous. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Tu as vu ce que Dieu dit dans la Bible, c'est qui?
Tu te rappelles que dimanche dernier, on a parlé de Dieu qui nous a créés et qu'il fallait aimer Dieu. Et on a dit aussi que aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et on vient de lire un passage. Et dans le passage, Dieu a parlé d'un de ses commandements. C'est lequel chez qui? Honore ton père et ta mère. Waouh, bravo! Ouais. J'espère que tu as trouvé aussi le commandement chez toi. Honore ton père et ta mère. Enfin, un acclamé pour chez qui? Acclamé. Bravo! Mais maman, honorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est une très bonne question. Est-ce que toi, tu sais ce que ça veut dire honorer? Non plus, tu sais pas comme chez qui? Ben laisse-moi t'expliquer. Honorer, ça veut dire obéir aux parents, tout simplement. Mais il faut obéir avec joie. Quand les parents te demandent de faire quelque chose, il faut le faire avec beaucoup de joie. Ah, comme quand tu m'as dit d'aller travailler, il fallait que je le fasse avec joie. Exactement, il ne faut pas bouder quand papa et maman te disent d'aller faire quelque chose. Vous avez compris les enfants? Regardez, laissez-moi vous donner d'autres exemples. Par exemple, on ne crie pas sur les parents. On parle doucement et on parle gentiment, comme chez qui parle maintenant. Quand on veut quelque chose, on dit quoi chez qui? S'il te plaît. Bravo, on dit s'il te plaît. Et surtout, on ne pleure pas. Et quand ton papa et maman te donnent quelque chose que tu es bien content, tu dis quoi? Merci. On dit merci. Et une autre chose, quand maman te dit de ne pas regarder la télé, ou d'aller ranger tes jouets, ou encore d'aller manger ou de dormir, tu dois le faire. En plus, c'est pour ton bien. Alors, Cheki, est-ce que tu veux dire quelque chose à moi, à tes amis? Oui, maman. Mes amis, moi maintenant, je vais honorer papa et maman. Ça veut dire que je vais obéir à tout ce qu'ils me demandent avec joie. Waouh, super ma fille, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Alors, est-ce que vous voulez faire la même chose que Cheki? Oui? Waouh, super, je suis sûre que vos parents sont très, très, très contents. Oh, bravo à vous. On va chanter une petite chanson qui nous parle de Jésus quand il était aussi petit, il était enfant et comment il se comportait avec sa maman. Quand Jésus avait mon âge, il y a bien longtemps, il était toujours bien sage avec sa maman. Jésus, oh change mon cœur, rends-moi toujours, toujours sage, comme toi Seigneur Jésus. Jésus, oh change mon cœur, rends-moi toujours, toujours sage, comme toi, Seigneur. Amen. Qui veut être sage comme Jésus? Moi. Bravo. Toi aussi, il faut que tu sois sage comme Jésus. Amen. Alors, pour être sage et obéissant, on va maintenant prier et demander à Dieu un cœur obéissant. Donc, vous allez répéter après moi la prière. Vous fermez les yeux et vous écoutez ta tête et vous répétez après moi. Jésus, Jésus, je veux être un enfant sage. Apprends-moi à honorer papa et maman. Donne-moi un cœur obéissant. S'il te plaît Jésus. Et que ta joie soit toujours dans mon cœur. Merci pour mes parents. Au nom de Jésus. Amen. C'est qui? Tu vas être obéissante maintenant, n'est-ce oui, pas? Oui, maman. Ah, merci Jésus. Alors maintenant, on va apprendre le verset du jour. Le verset d'aujourd'hui, on l'a lu tout à l'heure, c'est le verset d'Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1 et le verset 2. Donc vous allez répéter après moi, comme d'habitude. Je dis d'abord le mot et vous répétez après moi et on va apprendre le verset comme ça. Honore ton père
et ta mère. Et ta mère. C'est le premier. C'est le premier commandement. Commandement. Avec. Avec. Une promesse. Une promesse. On répète encore. Honore. Honore. Ton père. Ton père. Et ta mère. Et ta mère. C'est le premier. C'est le premier commandement. Commandement. Avec une promesse. Avec une promesse. Honore. Honore. Ton père. Ton père. Et ta mère. Et ta mère. C'est le premier. C'est le premier commandement. Commandement. Avec une promesse. Avec une promesse. Encore une fois. Honore. Honore. Ton père, ton père et ta mère. Et ta mère. C'est le premier, c'est le premier commandement, commandement avec, avec une promesse. Une promesse. Maintenant, on le dit tous ensemble. On va le dire trois fois encore. Mais tous ensemble, vous répétez, vous ne répétez plus après moi, mais vous le dites en même temps que moi. On y va. La première fois. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Bravo, on y va pour la deuxième fois. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. La troisième fois. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. 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 Alors maintenant, nous allons faire un petit jeu. Et je vais prendre un petit truc à côté et vous allez voir. Vous allez me dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des oreilles. Ce sont des oreilles. Ah, vous avez vu mes belles oreilles. Et avec les oreilles, on fait quoi? On écoute. On écoute. On écoute qui? Les parents. Bravo, c'est qui? Ouais. Avec les oreilles, on écoute les parents. Et les oreilles nous permettent d'écouter. Et quand on écoute, ça nous permet d'obéir. Parce qu'il faut d'abord écouter ce que papa et maman disent avant d'obéir, n'est-ce pas? Oui. Bravo. Alors, je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous expliquer d'abord le jeu et après, on va se lever pour jouer. Quand j'aurai mes oreilles comme ça, mes grandes oreilles comme ça sur mes oreilles, et que je vais vous dire, tata a dit, ou alors maman a dit, ou papa a dit, par exemple, si je dis papa a dit saute, eh bien, vous sautez. Mais si j'enlève les oreilles et que je dis maman a dit saute, vous sautez pas. Tu as compris, Cheki? Oui, maman, j'ai compris. Si je fais ça et que je dis maman a dit saute, tu vas faire quoi? Je saute. Et si je fais comme ça et puis je dis maman a dit saute, tu vas faire je quoi? Je saute pas. Bravo. Alors, on va se lever et on va faire ce jeu ensemble. Alors, vous vous êtes mis debout? On va jouer alors. Vous êtes prêts? Vous avez bien compris les règles, hein? Allez, on y va. Jésus a dit, répète, j'honore papa et maman. J'honore papa et maman. Bravo! Ouais. J'espère que vous avez répété comme chez qui chez vous. On reprend. Papa a dit, assieds-toi. Qui s'est assis chez lui? Pas moi. Ah, parce que tata n'a pas mis les oreilles. Allez, on reprend maintenant. Maman a dit, tourne deux fois sur toi-même. Une, deux. Bravo, Cheki, ouais. Bravo. Vous avez tourné chez vous hein, deux fois seulement. Hein. Sinon, après, la tête va faire comme ça. Et maintenant, on va dire, papa a dit, saute deux fois. Une, deux. Bravo, ouais. Vous avez sauté. Vous êtes trop fort. Vous avez compris le jeu, hein? C'est super. Maintenant, tata a dit, on s'assied. Bravo. On s'assied tranquillement et nous sommes arrivés à la fin de notre culte aujourd'hui. Et on peut dire déjà une chose, papa et maman, vous pouvez reproduire les oreilles à la maison et faire ce jeu avec les enfants. Ok? Alléluia. Amen. On va souhaiter un joyeux anniversaire à tous nos amis qui ont fêté leur anniversaire durant cette semaine. Alors maintenant, on a de nouveaux genres d'anniversaire, ce sont les anniversaires confinés. Je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais je suis sûre que le Seigneur a rempli vos cœurs d'une joie immense et que vous avez fêté avec vos parents. Alléluia! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mes amis, joyeux anniversaire.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde fait les mains comme ça et on dit que Dieu vous bénisse, mes amis. Amen. Alors, maintenant, on va s'asseoir, on va faire la prière de la fin. On ferme les yeux, chez qui tu fermes les yeux aussi, et maman va prier pour la fin. Seigneur Jésus, merci pour ce culte que nous avons eu. Merci parce qu'aujourd'hui, nous avons appris une belle leçon. Celle qui dit qu'il faut obéir aux parents. Seigneur, honorer les parents. Donne-nous la grâce et la force d'avoir un cœur obéissant, qui obéit et qui fait toutes choses avec beaucoup, beaucoup de joie pour les parents. Que ta joie soit dans nos cœurs et que dimanche prochain, nous puissions nous retrouver ici encore en pleine santé et en pleine forme. Jésus, je prie que tu gardes tous les enfants chez eux où ils sont, qu'ils soient bien sages, Seigneur Jésus, et qu'ils fassent ta joie. Au nom de Jésus-Christ, amen. 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 Je vous dis bye bye. Chez qui tu dis bye bye? Bye bye, les bye amis. Bye bye. Je vous aime et Jésus vous aime encore plus fort. À dimanche prochain.